mobile. Call India Landlines and Mobiles for just 1p a minute with any top-up. Also, get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Terms and conditions apply. Pona kubenga Congo Kinshasa call eza nango kaka 19 pi ya pamba bandeko nangai pona kubenga Congo Brazza ezali 29 pi ya pamba pona kubenga Angola ezali 5 pi ya pamba balobi visite 3 fois www.bengaangola.com. Chers compatriotes, à l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, je rends hommage aux pères de l'indépendance pour leur combat héroïque qui a permis de sortir notre pays du joug colonial et de rendre au peuple congolais sa dignité et la maîtrise de son destin. Par-delà ce souvenir, la date du 30 juin est aussi une interpellation des générations présentes et à venir, car elle rappelle à chacun de nous, autant qu'à l'ensemble de notre peuple, l'obligation de maintenir notre pays libre et uni, et de travailler sans relâche à son émergence
et à sa prospérité. Comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, l'Est de notre pays a été le théâtre d'agressions, de guerres, de mouvements armés et de rébellions. Grâce à la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité, nous y avons mis fin. Voilà pourquoi le 30 juin de cette année est placé sous le signe d'un hommage vibrant et solennel que nous leur rendons. Elles méritent en effet cet honneur pour la victoire combien décisive sur toutes les forces négatives venant de l'extérieur, celles basées à l'intérieur du pays et sur les partisans de la division et de la soumission de notre peuple. Cette victoire sur le champ de bataille, nous la devons au savoir-faire et à la bravoure de nos forces armées et de sécurité. Nous la devons aussi au mariage entre notre armée et notre peuple. Mus par une volonté commune et une détermination à toute épreuve de sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays. Nous la devons enfin à l'appui des amis de notre peuple à travers le monde. La démonstration a ainsi été faite de la plus belle manière que la République démocratique du Congo peut être attaquée de l'extérieur, voire trahie par certains de ses fils, mais elle demeure grande et digne. J'annonce solennellement à la nation congolaise que nos forces armées ont le contrôle absolu de l'ensemble du territoire national. En effet, depuis fin 2013, il a été mis fin à la rébellion et à la guerre dans plusieurs contrées du pays. Le mouvement terroriste qui opérait dans le Grand Nord, au Kivu, ont été éradiqués. La plupart des groupes armés ont adhéré à l'ultimatum de dépôt de leurs armes. C'est ainsi que près de 4500 éléments ont déposé leurs armes. Le processus est en cours avec le FDLR, dont plus ou moins 200 éléments se sont déjà rendus. Une fois de plus, je rappelle que tout ceci a été fait au prix de nombreux sacrifices et privations. Afin de cristalliser et de pérenniser la reconnaissance de la nation envers ses enfants qui, sous le drapeau, sont tombés sur le champ d'honneur sur plusieurs fronts à travers le pays. Un monument sera érigé en leur souvenir. Seront également honorés par cette œuvre les individus de différentes nationalités, ainsi que les populations civiles qui, en dépit des services et au risque de leur vie, se sont comportés en véritables défenseurs de la patrie. Quelle que soit la satisfaction légitime que nous procure ce haut fait d'armes, restons vigilants, car l'ennemi nous guette et n'a pas encore lâché prise. Mes chers compatriotes, comme en témoignent notamment les massacres et l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, c'est dans la douleur que la nation congolaise a été enfantée. Pour que notre pays acquiert sa souveraineté et que son peuple retrouve sa dignité perdue, des torrents de sang et des ruisseaux de larmes
ont baigné son sol et marqué la mémoire collective. Puissent-ils, quelles que soient nos peines, quelles que soient nos divergences de vues, féconder et entretenir à chacun de nous l'engagement de ne jamais trahir le Congo. La souveraineté de notre pays et la dignité du peuple congolais ne se marchandent pas. Il en est de même de notre indépendance et de notre liberté. Elle mérite plutôt tous les sacrifices, les préserver à tout prix, et donc, pour chacun de nous, un devoir citoyen. Ayons confiance en nous-mêmes et en notre capacité à gérer notre destin. Faisons en toutes circonstances preuve de solidarité et de cohésion nationale. Et le succès que nous escomptons pour l'avenir de notre pays sera certainement au rendez-vous. C'est le lieu pour moi de réitérer notre message de compassion à nos concitoyens rentrés au pays dans des conditions qui révoltent la conscience humaine et que nous avons tous déploré. C'est aussi celui de rappeler à tous nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays que la terre de nos ancêtres est grande et fertile et qu'elle dispose des potentialités nécessaires à l'épanouissement d'un chacun. Je les encourage à revenir prendre leur place au sein d'un Congo en pleine croissance, d'une société congolaise en mutation et contribuer ainsi au développement du pays dans la paix et la sérénité. Mes chers compatriotes, le rêve d'un Congo prospère auquel nous aspirons ne peut être réalisé qu'au prix des efforts sans cesse renouvelés. Il y a peu ont eu lieu les concertations nationales où nous avons pris à nouveau conscience de la primauté de l'intérêt général est convenu en conséquence des mesures appropriées pour travailler à l'unisson à l'œuvre de reconstruction nationale. Je réaffirme mon engagement d'accélérer la mise en œuvre des recommandations de ces assises de façon méthodique, mais en évitant toute précipitation. J'exhorte par ailleurs chacun de nous, acteurs politiques, opérateurs économiques, de la société civile et autres organisations de masse, à travailler au rassemblement du peuple congolais autour de notre volonté commune de raffermir le lien national, d'assurer la défense et la sécurité du territoire national, de consolider la paix et la stabilité, de mieux encadrer notre jeunesse et de promouvoir une économie nationale forte et génératrice de dividendes pour le plus grand nombre. Il va sans dire que, chemin faisant, nous verrons ensemble à la consolidation de notre jeune démocratie, que nous avons tous l'obligation de mettre à l'abri des dérapages auxquels pourrait l'exposer toute précipitation. Je demande donc à notre peuple de ne pas céder au chantage et d'appuyer toutes les institutions de la République, notamment la Commission électorale nationale indépendante qui a reçu la mission d'organiser les élections dans un climat apaisé. Mes chers compatriotes, l'avenir de notre pays dépend avant tout
de nous-mêmes, de notre responsabilité, de notre capacité à nous prendre en charge. Il est plus que temps que nous sachions donner à notre pays le meilleur de nous-mêmes et de ne toujours pas attendre qu'il fasse tout pour nous à notre place. Consolider l'état de droit, mais aussi faire de la société congolaise une société de devoirs, et donc le défi que nous sommes appelés à relever. C'est aussi le sens de la nouvelle citoyenneté à laquelle nous sommes interpellés. Le défi, nous les avons toujours relevés, et avec succès. Parce que depuis une quinzaine d'années, notre pays est passé par le moment difficile que nous avons courageusement surmonté. Quand l'unité nationale et l'intégrité territoriale ont été mises en mal, nous avons su, en nous mettant ensemble, réaliser la réunification du territoire national. Face à l'insécurité récurrente qui, pendant plusieurs années, a miné certaines parties de notre pays, nos forces armées et de sécurité ont remporté une victoire éclatante sur l'ennemi et rétabli l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Pour mettre fin aux incertitudes sur le plan politique, nous avons organisé et tenu les élections successivement en 2006 et 2011, consolidant ainsi notre jeune démocratie. Grâce aux efforts et aux nombreux sacrifices consentis par nous tous, le désordre que connaissait depuis belle lurette notre économie, avec une inflation à trois chiffres et une dépréciation continuelle de notre monnaie nationale, ne sont plus que de vieux souvenirs. Ces différents défis relevés constituent des acquis. Ils doivent nous conforter dans nos efforts en cours à poursuivre la reconstruction nationale par les grands travaux, l'amélioration des conditions de vie sociale, la réforme de l'administration publique, le redressement de notre appareil judiciaire, ainsi que l'assainissement de nos finances publiques. Pour ma part, je m'engage à continuer à œuvrer inlassablement pour l'émergence de la République démocratique du Congo. À chacun de nous de prendre la mesure des efforts à fournir et de travailler afin que notre pays soit plus beau qu'avant. Bonne fête de l'indépendance à tous. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. It's my honor to welcome back to the Oval Office President Kabila. Thanks for coming, sir. President of the Democratic Republic of the Congo. The last time the President was here, we talked about his desire to have free and fair elections in his country. Since that time, his country has had free and fair elections. And my first order of business today was to congratulate the President for garnering 58% of the vote. We talked about the need to work together to help consolidate the gains. We talked about the need to, for the United States to partner with the country to help on economic development. One of the things the President recognizes is the need for there to be investment
in this country so people can find work and the stability that comes with economic development. And I appreciate your recognition of the opportunity to work together. We talked about the eastern part of this country, and he shared with me his strategy to make sure that the government's reach extends throughout the entire country and that there's stability throughout the country. And I want to thank you very much for sharing your thoughts with me. I did bring up my desire to help our friend deal with malaria. Malaria is of great concern to me and my wife and the Secretary of State. This is an issue that that can be solved. We hurt when young babies are dying from a mosquito bite, knowing full well that a strategy can help save lives. And so the President shares the same sense of compassion I do for people all throughout the world who are being affected by malaria. Mr. President, you are you've said that you wanted there to be free and fair elections, and you delivered. And I appreciate that and congratulate you on being a man of your word, and we look forward to continuing to work with you, sir, to bring peace and stability to the neighborhood. So welcome. Thanks a lot. Well, Mr. President, thanks a lot. Of course, this is the second time that we meet in the Oval Office, and way back, yes, elections was high on the agenda in 2003. We organized those elections, and basically our priorities have now changed. From elections, it's now stability, and with stability, peace and development. And I emphasized and insisted on the fact that we need continued support from the United States in order to achieve these two remaining goals, which is peace and stability throughout the whole country, and embark on a very, very long journey of development and really try to combat poverty, which is the biggest issue not only in the Congo but in the region and on the African continent. So thanks a lot for the continued support that we've always had from the United States government and the administration, and together let's move further and further yet. Yes, sir. Thank you. Glad to hear. Thank you. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de démontrer sa détermination de neutraliser les forces négatives en RDC en décidant l'envoi d'une force spéciale d'intervention dans l'est du pays. Déclaration de Mme Bangoura, secrétaire générale adjointe, représentante du secrétaire général de l'ONU chargée des questions des violences sexuelles en période de conflit. L'envoyé spécial du secrétaire général Ban Ki-moon est allé faire le rapport au chef de l'État de sa mission en RDC et loue les efforts menés et surtout l'engagement du président de la République d'éradiquer les violences sexuelles en mettant un terme à la guerre dans l'est de la RDC. I informed him about the activities that I have overtaken, the visit that I have made since I arrived here. On a discuté de visites que j'ai eues et des activités que j'ai menées de mon arrivée ici. J'ai vu les efforts qui ont été menés et quels sont les différents défis. And what we had to do. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Le président effectivement suit de près ce qui se passe dans son pays. And he's very committed with the issue of addressing the issue of sexual violence. Et il est vraiment engagé pour résoudre la question de violence sexuelle. Et il a effectivement souligné que pour résoudre ce problème, c'est question de vraiment de finir avec la guerre. Which the UN is very committed. Et les Nations Unies sont également engagées à faire cela. Et je vais effectivement insister sur cela dans mon rapport au Conseil de sécurité, dans le briefing que je vais également faire au Conseil de sécurité. Et il m'a également parlé des actions qu'il a prévu prendre pour effectivement résoudre la question de violence sexuelle de manière générale. Problems. Mais effectivement, il a dit ce que nous pouvons faire comme Nations Unies pour résoudre ce problème. Vraiment, je reviens de cette réunion avec vraiment une satisfaction. Et c'est ça le message que je vais amener à New York.
C'est la première fois que les Nations Unies effectivement prend une décision pareille. Je pense que c'est une compréhension claire maintenant qu'effectivement les Nations Unies doivent tout faire pour neutraliser les forces qui sont nombreuses, les groupes armés qui sont nombreux en RDC. Je pense également qu'ils comprennent le niveau d'atrocité et ce que ça fait comme dommage sur le pays. Mais c'est effectivement une preuve qu'ils sont engagés pour qu'effectivement la guerre finisse au Congo. Donc comme une femme africaine qui était ministre des Affaires étrangères dans mon propre pays, je suis vraiment encouragé et content de la décision qui a été prise par le Conseil de sécurité. La Grande-Bretagne, qui préside le G8, veut mettre fin aux violences sexuelles commises à l'endroit des femmes dans les zones de conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie britannique, William Hague, qui vient d'effectuer une mission dans l'est du pays, promet le soutien de son pays pour mettre un terme à ces atrocités. Pour sa part, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosibulo-Kasongo, a salué l'engagement de la Grande-Bretagne. Ça a été une rencontre très fructueuse parce que je reviens moi-même d'une mission à l'est du pays, notamment au sud, nord Kivu, en province orientale, particulièrement à Bunia et à Mambasa, avec Madame Bangura. Et lui-même, le ministre des Affaires étrangères, est passé par Bukavu, par Goma, par Kigali. Et je crois qu'ils se sont, chacun et chacune, fait une opinion sur la problématique des violences sexuelles. Madame Bangura s'est rendue compte que c'est un problème complexe qui mérite des réponses locales et qui mérite également le soutien de la communauté internationale. Ces points de presse conjoints s'est déroulé à l'ambassade de Grande-Bretagne à Kinshasa. Paulo Woloski est le premier diplomate à franchir ce mercredi les portions de la primature. Chaude poignée de main avec le premier ministre Augustin Matata Ponyomapon, l'ambassadeur et envoyé spécial de Madame la présidente de la République du Brésil dévoile son agenda. Le réchauffement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération sud-sud qui unit le Brésil aux pays africains et particulièrement à la RDC. C'est pour un nouveau départ. La gestion des violences sexuelles en RDC causées par les guerres interminables à l'est du pays était la matière évoquée par le Premier ministre Matata Ponyo qui recevait Madame Bangura, représentante du secrétaire général de l'ONU sur la violence sexuelle. Après l'évaluation de la situation dans les zones de conflit, elle apprécie à juste titre les efforts du gouvernement congolais pour restaurer la paix et garantir la sécurité. Un signal fort. Nous allons donc supporter le gouvernement et nous allons vraiment traquer ces gens. Parce que c'est juste un début. On réconforte également les femmes qui ont été violées. En séjour à Kinshasa, le ministre britannique des Affaires étrangères s'est également rendu à l'hôtel du gouvernement. William Hague a annoncé l'octroi par son pays de 170 millions de dollars américains à la RDC, fonds destinés au développement des secteurs sociaux tels la santé et l'éducation. Ce programme prendra en charge plus de 6 millions de personnes. Sur le plan économique, le chef de la diplomatie britannique a annoncé la mise en place prochaine d'une nouvelle structure de coopération. Selon toujours William Hague, Londres est prête à porter un appui considérable au service de la défense et des sécurités congolaises. Avant de quitter la primature, l'hôte de Matata Ponyomapon a reçu en souvenir de son passage en République démocratique du Congo, un présent. Ils sont dans la joie les 65 000 habitants de la cité de Sake, province du Nord Kivu. Aujourd'hui, cette cité dispose d'un bloc opératoire moderne, construit et équipé pour un coût global estimé à près de 81 000 dollars américains, financement du gouvernement provincial.
du Nord Kivu, au bénéfice des 65 000 habitants de cette cité située à 25 km à l'ouest de la ville de Goma. Le gouverneur Julien Paluku Kahanga, qui procède ces jours à l'inauguration de cet ouvrage très attendu, est accompagné des membres de l'exécutif provincial du Nord Kivu, des députés élus dans la contrée, des autorités coutumières, ainsi qu'une foule compacte venue exprimer sa gratitude au vu de l'importance que revêt les blocs opératoires dans le quotidien de la population de Tsaké, meurtrie par plusieurs années de guerre à répétition. Mais avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, le gouverneur du Nord Kivu a surtout signifié que ces réalisations sont possibles grâce à la paix recouvrée dans la sous-région. Car a-t-il rappelé, les troubles successifs ne pouvaient en aucun cas permettre de songer aux actions d'investissement. Il a appelé au civisme fiscal car il indique que les réalisations atteintes sont rendues possibles grâce aux impôts et taxes.